Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, c'est l'heure d'un nouveau numéro des Têtes Blondes, je lance le générique. Les Têtes Blondes, vous êtes au bon endroit, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode de votre rendez-vous, comme chaque semaine, où je vous présente les programmes détaillés des émissions jeunesse des années 2000. Et le jeudi, eh bien, c'est le rendez-vous pour France 3 et pour TO3, et on termine l'été 2002 en beauté avec le mois d'août. Vous êtes prêts? Jingle! Les Têtes Blondes sur France 3 avec TO3 pour le mois d'août 2002. Alors on continue doucement mais sûrement l'été de TO3 et on va le terminer. Alors on reste sur une programmation qui est très fournie, hein, que le mois de juillet nous a déjà montré. Il n'y a pas trop de changements sur les dessins animés, on retrouve les mêmes, hein. Il y a Denver, il y a le Père Castor
qui s'arrête un peu plus tôt peut-être que les autres. Tintin bien sûr, Razmoket, Cédric, bref, toute l'équipe est là. Hein. À noter quand même pour la petite anecdote, par rapport à la mouche, on la retrouve peut-être un tout petit peu moins présente que les semaines précédentes. Et c'est plutôt Oggy et les cafards qui sera diffusé, notamment grâce à des émissions un peu plus longues, donc un peu plus de temps à combler, puisque les épisodes d'Oggy font en général 8 minutes alors que la mouche c'est 5. Sinon, on a une semaine qui est un petit peu différente que les autres. C'est la deuxième semaine du mardi 6 au vendredi 9 août où les émissions sont réduites hein, pour ce qui est du matin parce qu'il y a des émissions le matin pendant les vacances. Elles ne durent pas de 8h à 10h40 environ, mais de 8h à 9h15 environ, puisqu'ensuite il y a les championnats du monde d'athlétisme qui sont diffusés sur France 3. La semaine suivante, alors peut-être pour un petit peu bah, justement se rattraper, et puis en fait traditionnellement la semaine du 15 août c'est toujours la semaine un peu pauvre, et donc il y a toujours une émission un peu longue en jeunesse, vous remarquerez ça la semaine suivante aussi, et bien pour la semaine du 15 août on retrouve donc des émissions un peu plus longues, puisqu'elles font plus de 2h50 en moyenne, et donc c'est un petit peu la semaine la plus longue de l'année pour TO3, enfin de l'année, de l'été pardon. Sinon pour les dessins animés, pas de changement je vous l'ai dit. On a quand même un nouveau dessin animé qui arrive le mercredi 28 août je crois. 28 ouais c'est ça. Mercredi 28 août, un nouveau dessin animé le matin. En première position, c'est Micha Michien. C'est un dessin animé qui est pas forcément très connu, mais voilà, qui est diffusé pour les 3 derniers jours de l'été. Et puis bah ça sera la surprise, si oui ou non il continuera à l'être au mois de septembre. Justement septembre on en parle quand même un tout petit peu, puisque évidemment c'est la rentrée pour TO3, première vraie rentrée en fait pour l'émission, hein, puisque elle n'a commencé que le 1er avril. On a une nouvelle programmation à partir du samedi 31 août avec notamment Souris des villes, Souris des champs qui arrivent. Et puis il y a aussi un petit peu des changements ensuite sur les autres jours de septembre, mais bon on n'en parle pas. C'est aussi le retour des émissions habituelles samedi dimanche comme la bande à Dexter ou encore après Bunny et tous ses amis, ça sera pour le dimanche. Et ben voilà, je pense qu'il y a qu'une chose à dire, c'est qu'on a hâte d'être au mois de septembre pour voir la rentrée de TO3. La saison 2002-2003, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ça va être un petit peu intéressant à suivre, évidemment, dans les têtes blondes. Et ouais, chien. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, l'été de TO3, chien. Merci beaucoup d'avoir regardé les têtes blondes. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut, chien.